Et parlons maintenant de l'article contracté. L'article contracté est formé à partir de la préposition « à » ou « de » et d'un article défini « le », « la », « le » ou « les » au pluriel. Alors le résultat donne un article, un nouvel article. À partir de l'article de la préposition plutôt « à » et de l'article « le », ça nous donne « au » sans « x » au singulier. En deuxième lieu, la préposition « à » plus l'article « les » ça nous donne « au » avec « x » donc au pluriel. En troisième lieu, l'article contracté est formé par la préposition « de » plus l'article « les » au pluriel, pour les choses plurielles, eh bien ça nous donne « des » au pluriel. En dernier lieu, la préposition « de » plus l'article « le » ça nous donne « du ». Passons maintenant aux exemples pour comprendre un peu l'utilisation de cet article contracté. Je peux dire par exemple « il se rend au bureau ». C'est-à-dire, en d'autres mots, on pourrait dire par exemple « il se rend à le bureau ». Alors, si on fait la contraction, ça donne « au ». « À » plus « le », ça donne « au ». Au bureau. Alors, si on met ça au pluriel, ça va nous donner ceci. Ils se rendent au bureau. C'est-à-dire, plusieurs personnes qui se rendent au bureau. Alors, c'est qu'est-ce qui est contracté? C'est à préposition plus les, et donc article défini au pluriel, et ça nous donne au avec x, donc au bureau. Un autre exemple, la voiture du sénateur. On devrait dire la voiture de le sénateur. Mais ça ne se dit pas. Alors, de plus le, article, ça nous donne du sénateur. Mais au pluriel, on pourrait dire les voitures des sénateurs. Alors, qu'est-ce qui est contracté ? C'est la préposition « de » plus « les », donc l'article est défini au pluriel, et ça nous donne « des », les voitures des sénateurs. Mais aussi, il y a l'article donc « et l'idée » ou « contracté », mais au singulier, nous pouvons dire ceci, un exemple, « la patte de l'éléphant ». Elle, apostrophe, on a coupé. Et se rapporte bien sûr à l'éléphant, qui est au singulier masculin. Mais au pluriel, on pourrait dire les pattes des éléphants. Qu'est-ce qui est contracté? C'est la préposition de plus les articles définis. En fait, on devrait dire les pattes de les éléphants. Mais ça ne se dit pas, on contracte ça, « de » plus « les », ça devient « des » et on parle alors, on dit « les pattes des éléphants ». Alors là, ce sont des articles contractés. En général, ces articles sont dits en fait « articles définis contractés ». Peut être indéfini aussi, mais dans des cas rares. Pour finir, je crois que nous avons terminé en fait les notions essentielles sur les articles et l'alphabet. Maintenant, c'est à vous d'essayer d'appliquer toutes ces notions aux exercices et j'ai confiance que vous allez bien les faire sans problème. Si vous rencontrez des problèmes à ce sujet dans l'exécution ou bien dans l'application, eh bien, demandez des explications aux parents, aux frères et sœurs. Mais si vous ne trouvez pas quelqu'un qui peut vous aider, vous allez nous transmettre des questions par écrit et nous saurons vraiment vous répondre.
Et à la fin de vos exercices, nous comptons vous donner un corrigé de tous ces exercices par écrit que nous allons vous envoyer, mais pas l'après. C'est-à-dire, nous voulons que vous ne trichiez pas. Faites vos efforts et nous verrons ce que vous aurez déjà accompli. Ok, donc à la prochaine. Bon courage. À la prochaine et je vous remercie.